Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Hydrogène, les enjeux autour de la conception des réservoirs pour le stockage. Il s'agit du premier webinaire d'un cycle qui devrait en compter 25 organisé par Technique de l'ingénieur et le CETIM. Il est animé aujourd'hui par Denis Espinassou, j'espère que je le prononce bien, ingénieur référent conception et calcul composite au CETIM, et il est accompagné par Damien Guillon, qui est responsable R&D du pôle conception composite du CETIM et expert référent pour ces matériaux. Le webinaire va durer 1 heure et demie. Il y aura 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions pendant l'intervention dans le chat qui est à droite normalement de votre écran. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à cette web découverte intitulée Hydrogène et focalisée sur les enjeux autour de la conception des réservoirs pour le stockage. Tout d'abord, merci à tous pour l'intérêt que vous y portez, évidemment. Afin de vous éclairer sur le déroulé, je vous présente les objectifs et le contenu de cette web découverte. L'hydrogène n'est pas un vecteur énergétique nouveau, mais il est identifié et mis en lumière ces dernières années comme un des axes majeurs de la transition énergétique, qui plus est, avec les différentes politiques de relance engagées par plusieurs pays qui accélèrent évidemment le développement sur certains marchés. Derrière le sujet général de l'hydrogène se dessine, comme vous le devinez, un vaste réseau de métiers et de spécialités qui s'intègre dans un système assez complexe allant de la production du gaz lui-même, son stockage et sa distribution pour nos différents usages, et en particulier ceux liés à la mobilité. Dans ce contexte, je vous présenterai donc un aperçu des différents enjeux, les solutions existantes et les verrous, bien entendu focalisés sur le périmètre du stockage sous forme de réservoir. Nous aborderons tout d'abord le contexte général et les intérêts que peut présenter cette molécule par sa disponibilité, ses propriétés, évidemment ses capacités énergétiques, et de quelle manière elle s'intègre dans une démarche de production et de consommation énergétique plus durable. Nous verrons également où la thématique du stockage de cette énergie intervient dans la chaîne de valeur et les différentes contraintes que cela peut occasionner au sein de cette chaîne elle-même. Et comment cela peut se décliner, évidemment, suivant les différentes mobilités. Après cette introduction un peu plus contextuelle, nous aborderons les solutions existantes de stockage, qui sont évidemment éprouvées sur certaines applications, et surtout les défis, les différents défis et les verrous à lever pour vraiment généraliser ce vecteur énergétique. On parlera souvent d'énergie par abus dans le langage pour simplifier. Et donc, comment généraliser cette énergie à des marchés où elle n'est encore pas diffusée et où il faut la diffuser, évidemment. Il pourra s'agir de défis autour de quatre grands axes que nous avons identifiés. Tout d'abord, la conception et le dimensionnement. Ensuite, la maîtrise de la fabrication et du lien produit-process, qui est extrêmement important pour garantir l'évaluation de la conformité et les démarches de justification. Et finalement, le suivi en service. Je clôturerai la présentation avec quelques mots, avec l'aide de Damien, sur les travaux menés par le CETIM en lien avec les réservoirs de stockage et l'hydrogène. Donc, quelques mots complémentaires à la présentation qui a été faite en introduction. Je suis en poste au CETIM de Nantes, dans le pôle ingénierie des polymères et des composites, dans lequel nos activités se regroupent en trois axes différents. Les matériaux, la conception et l'industrialisation autour de projets qui utilisent des composites dits traditionnels, thermodurcissables, mais aussi des activités de R&D centrées sur les composites thermoplastiques pour des applications de future génération. C'est donc avec un œil plutôt orienté composite que j'aborderai certaines illustrations, comme vous le verrez, ou même des verrous. Et même si, comme vous le verrez au cours de la présentation, l'ensemble des conceptions dites optimales sont évidemment celles constituées de multimatériaux qui profitent à bon escient de chacun des atouts des métaux, des polymères et des composites.
Donc pour cette présentation, on vous l'a indiqué, je suis accompagné de Damien Guillon, représentant des activités R&D du CETIM sur les activités composites et expert référent, à qui je vais laisser la parole pour introduire plus précisément ce sujet. Bonjour à tous. Effectivement, vous avez été très nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Et c'est pourquoi le CETIM a décidé qu'on intervienne à deux pour vous donner des éléments de contexte autour finalement d'un grand projet de R&D que le CETIM est en train de structurer et que j'évoquerai à la fin. Effectivement, donc le CETIM a parmi les missions qui lui sont données dans son contrat d'objectifs et de performance un rôle d'accompagner les entreprises dans la transition énergétique. Et donc c'est là où l'hydrogène intervient, voilà, comme vecteur pour gérer des énergies décarbonées. Alors pourquoi est-ce que l'hydrogène intervient comme vecteur? Parce que c'est un gaz qui est extrêmement énergétique, donc voilà le plus énergétique et donc qui permet donc in fine dans des systèmes mobiles notamment de transporter beaucoup d'énergie de manière compacte et légère. Très légère quand il s'agit d'hydrogène. Son inconvénient est qu'il prend beaucoup, beaucoup de place. Et donc, on a besoin de le densifier avec donc deux vecteurs de densification physique bien connus, soit monter la pression. Donc là, c'est pour ça qu'on parle typiquement d'une chaîne pour l'automobile à 700 bars de pression dans les réservoirs. La deuxième solution est de baisser la température, donc d'aller potentiellement jusqu'à l'hydrogène liquide. C'est ce qui est fait notamment dans les fusées, typiquement. Et bien sûr, il y a même possibilité d'obtenir un optimum, comme on le voit sur l'image, en combinant des basses températures et de la haute pression. Voilà, pour monter à une densité, mais qui reste dans tous les cas un dixième de celle de l'eau. L'inconvénient, bien sûr, étant que les réservoirs pour porter cette énergie, eux, ont une masse certaine. On y reviendra au cours de cet exposé. Donc voilà, dans le contexte, c'est le pourquoi de l'hydrogène. Hein. Donc voilà, il y a cette possibilité finalement de la combiner avec l'oxygène qui est dans l'air pour en faire de l'eau. Et donc l'intérêt est que quand on fait cette réaction, elle dégage de l'énergie électrique. Donc on sait ensuite récupérer dans des systèmes électriques. C'est ce qu'on appelle la pile à combustible. Sachant qu'il y a aussi la possibilité de brûler directement l'hydrogène dans des moteurs thermiques avec une meilleure, finalement un meilleur rendement énergétique quand on fait ça. Donc voilà, c'est pour ça que l'hydrogène permet de stocker de l'énergie puisqu'on sait en ressortir. Et pour le générer, alors il est possible dans l'absolu de le trouver dans la nature. Ça fait partie des travaux qui sont en cours, on va dire, de type minier, mais effectivement, aujourd'hui, l'essentiel de l'hydrogène est obtenu à partir de gaz naturel, mais donc dans des procédés qui sont émetteurs de CO2, donc on parle d'hydrogène gris, et les politiques publiques visent la production d'hydrogène décarboné, donc soit à partir d'énergie renouvelable, soit à partir d'énergie nucléaire, si on souhaite développer cette source électrique. Et après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le rendement total de la chaîne depuis l'énergie primaire, la transformation en hydrogène, puis le retour vers de l'énergie mécanique ou électrique ou de chaleur, le rendement finalement est pas exceptionnel. On est en dessous de 50%, clairement, suivant les différentes voies qu'on utilise. Et donc, en fait, le développement de l'hydrogène passe in fine par un développement important de l'énergie. Donc, il faudra beaucoup d'énergie primaire pour développer toute cette chaîne. Et donc, voilà, cette partie génération d'énergie qui doit être renouvelable, hein, puisque si on utilise de l'hydrogène fait à partir d'électricité obtenue de centrales thermiques, on est sur un bilan écologique qui est catastrophique. Il faut en avoir confiance et donc vraiment partir sur des sources d'énergie non carbonées pour produire cet hydrogène. Et donc, une fois qu'on a réussi à produire cet hydrogène de manière non carbonée, là, on peut bénéficier des nombreux atouts de l'hydrogène, donc parmi lesquels le fait qu'il puisse être produit partout où on trouve de l'eau.
Et donc voilà, notamment pour l'Europe partout. Et donc ça permettra de produire en interne plutôt que d'énergie, d'importer du pétrole et du gaz aujourd'hui qui viennent de nos voisins. Il permet de stocker de cette énergie de manière longue et efficace. Donc là, c'est par rapport au problème des batteries, qui soit des problèmes de souveraineté industrielle par rapport à la dépendance asiatique, soit aussi des problèmes écologiques par rapport donc au poids des batteries et à tout le cycle de vie, les terres rares qui sont inclus dans les batteries. Et puis pour l'utilisateur final, notamment si on pense au transport routier, mais c'est important finalement dans beaucoup de secteurs, des temps de remplissage, c'est-à-dire la possibilité en transférant l'hydrogène d'un réservoir à l'autre, de transférer des grandes quantités d'énergie en peu de temps, comparé à ce qui est nécessaire pour recharger une batterie. Voilà, et donc tout ça font que l'Europe aujourd'hui mise sur l'hydrogène. Bon, il y a beaucoup de travaux en cours, c'est là où les centres techniques comme le CETIM ou les centres de recherche interviennent, hein. Il y a toutes les raisons de penser qu'on peut optimiser les réservoirs, qu'on peut optimiser les piles à combustible, qu'on peut optimiser les moteurs utilisant ce genre de carburant. Et donc voilà, avec de la recherche en perspective dans les prochaines années, finalement obtenir des coûts qui soient acceptables sociologiquement. Comparé à ce qu'on a pu bénéficier avec le pétrole depuis 50 ans. Donc voilà, donc enfin, quelque chose qui n'est pas nouveau, l'hydrogène. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, aujourd'hui le marché hydrogène, il est déjà significatif. Il est gris, c'est-à-dire obtenu à bas coût à partir d'énergies non renouvelables. Il est industriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un réseau de distribution grand public. Voilà, ceux qui envisagent d'acheter des voitures le savent. Mais pour autant, il est existant. Donc, c'est-à-dire que les technologies, elles sont pas nouvelles. On ne part pas d'une feuille blanche. On a finalement dans certaines zones portuaires notamment où il y a de l'industrie lourde, finalement toutes les infrastructures nécessaires qui sont déjà disponibles pour gérer ce carburant. Et en termes de maîtrise des risques, déjà aussi donc l'Ineris en France qui a cette mission et qui est capable voilà d'accompagner les gens qui développent des systèmes, de définir des réglementations qui, même si elles doivent évoluer pour accompagner cette explosion, voilà, aujourd'hui sont bien connues. Donc Denis a parlé tout à l'heure de la chaîne de valeur hydrogène. Elle est très large. Le CETIM finalement intervient, on voit là avec quelques exemples, un petit peu à tous les niveaux de la chaîne. Ça veut pas dire qu'on peut tout couvrir, mais en tout cas voilà, la mécanique par essence est transverse et donc elle peut s'appliquer voilà dès la fabrication de l'hydrogène dans les électrolyseurs, sa compression, sa liquéfaction pour le rendre transportable. Vous voyez donc au centre voilà la partie transport, stockage et distribution où là il y a besoin d'énormément de réservoirs et l'exposé d'aujourd'hui va se concentrer on va dire sur cette partie-là et puis à la fin donc l'usage soit directement à travers des moteurs thermiques soit à travers une pile à combustible qui la transforme en électricité. Donc voilà, pour finir, quelques modes de stockage. Voilà, et bien vous dire que nous, on va se concentrer aujourd'hui sur la partie physical based, donc voilà, les réservoirs avec de l'hydrogène gazeux ou liquide. Il y a bien d'autres méthodes de stockage à travers des matériaux. Il y a même des méthodes de stockage géologiques, c'est-à-dire que l'hydrogène peut être injecté dans des mines de sel, par exemple, voilà, à très bas coût et en grande quantité, gérer typiquement des énergies renouvelables qui sont intermittentes, et donc ce qui s'appellera le stockage saisonnier de l'hydrogène. Voilà. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les réservoirs, donc, qui peuvent être fixes, par exemple, dans des stations-service ou mobiles, pour toutes sortes de mobilités, voilà, chacune ayant son cahier des charges et donc son type de réservoir différent. Qu'on va maintenant vous détailler un peu plus, par Denis. Merci. Nous allons donc aborder maintenant les défis qui gravitent autour de la généralisation de ce vecteur énergétique. Ils sont nombreux et encore une fois bien différents selon les applications. Donc, je vais essayer de vous illustrer une partie d'entre eux au travers de quatre axes, ceux liés à la conception, la maîtrise de la fabrication, l'évaluation de la conformité ou même le suivi en service. Ces quatre axes ici sont bien séparés, mais évidemment ils se recoupent. Et il ne s'agit pas non plus d'une liste exhaustive, puisque sur des thématiques aussi exigeantes que la haute pression ou la cryogénie, des éléments qu'on peut presque
précisés comme de détail, vraiment entre guillemets, ils peuvent se révéler finalement déterminants sur la performance soit technique, soit économique d'un système. Et là, on entre vraiment dans un domaine de spécialité métier dont même certains industriels s'en sont fait une expertise. Commençons par les enjeux généraux, liés au stockage de l'hydrogène. Donc, ces deux modes de stockage sur lesquels on s'oriente aujourd'hui dans la présentation, donc la haute pression et la cryogénie. Ces deux modes de stockage présentent des exigences de performance mécanique et thermique qui sont intimement liées au comportement des différents matériaux pour répondre aux besoins de rendement de stockage via finalement l'allègement du contenant par rapport au contenu. Donc ici, on pense avant tout à garantir la durabilité et l'efficacité de ces systèmes dans leur mode d'utilisation normaux, ce pour quoi ils sont conçus, mais également incidentels ou accidentels, via des sollicitations thermiques ou mécaniques extrêmes. Pour la plupart, vous le verrez, cyclées, ne serait-ce que par le cycle de remplissage, dans l'environnement en présence d'hydrogène. Donc, le moment du remplissage ou du vidange du réservoir, c'est souvent un moment critique d'ailleurs dans le cycle de fonctionnement, avec des risques liés à l'échauffement ou au refroidissement du gaz et qui peuvent, dans certaines solutions techniques, liées au décollement, par exemple, entre le liner, l'enveloppe étanche, et l'enveloppe composite, qui est l'enveloppe structurante, du fait de la décompression. Les fonctions d'étanchéité et d'isolation thermique, vous en doutez, sont au cœur de l'efficacité de ces systèmes et les conceptions que l'on propose doivent tenir compte des contraintes d'intégration de composants, des tuyauteries, des pompes, des valves, qui ne font qu'accroître la difficulté et posent des défis importants. Dans ce contexte toujours de transition énergétique, l'analyse de cycle de vie et la recyclabilité en fin de vie sont autant de contraintes complémentaires qu'il faut intégrer dans cette transition pour des utilisations plus durables. Je profite de cette slide également pour mettre en avant ici le défi qui est la démonstration des cadences et des coûts de production, qui est parfaitement illustré par le secteur automobile, mais qui est également commun à bien d'autres et qui finalement constitue un prérequis à cette transition. Les solutions d'aujourd'hui pour certains secteurs ne seront pas nécessairement celles de demain, avec la montée en maturité de nouveaux matériaux et les procédés de fabrication qui vont avec, qui, vous le verrez, offrent de nouvelles opportunités et dont le CETIM s'évertue d'en faire la démonstration, notamment pour les composites thermoplastiques. Je souhaiterais compléter un peu mon propos sur les exigences. Il va de soi que le cahier des charges de l'avion, du réservoir de stockage pour l'avion à hydrogène ne sera pas le même que celui du train à hydrogène ou encore de l'automobile, pour reprendre cet exemple. Par contre, un certain nombre de solutions techniques peuvent être multisectorielles. Parmi quelques exigences autour des réservoirs, on note la pression, le volume, la compatibilité des matériaux et même des fonctions à la présence d'hydrogène, les exigences de tenue en utilisation, que ce soit en pression d'éclatement ou en cyclage de remplissage et température. Alors, certaines de ces exigences sont en partie vérifiées, alors pas intégralement, mais vérifiées par la mise en place de procédures expérimentales qui sont imposées par des réglementations et qui complètent ou qui participent à la démarche générale de justification de la tenue de ces empilements. En termes de conception d'architecture, c'est un des premiers défis de la conception, on retrouve les trois typologies de stockage présentées, en haute pression, en cryogénie et la combinaison des deux en cryocompression. À la lecture de ce tableau comparatif, on identifie assez rapidement que les architectures étant différentes vis-à-vis du mode de stockage, le choix des matériaux a également été différent. Pour le stockage en haute pression, la solution présentée ici, même si ce n'est pas une solution universelle, est celle d'un réservoir de type 4 constitué d'un liner
polymère pour l'étanchéité et d'une enveloppe structurelle en fibre de carbone, probablement résine thermodurcissable, puisque la solution est considérée comme mature et éprouvée. Sur le réservoir cryocompressé, le liner a été remplacé par un liner métallique, ce qui permet un meilleur rendement de stockage. Mais la combinaison des deux défis autour de la cryogénie et de la haute pression font que cette solution est encore complexe, vraiment coûteuse et pas vraiment mature. En ce qui concerne la partie plutôt cryogénie, c'est-à-dire le stockage sous forme liquéfiée, là on s'oriente plutôt vers des matériaux plutôt métalliques dans les solutions que l'on retrouve. Et c'est des solutions qui sont plus volumineuses du fait de l'isolation thermique qui est nécessaire, ce qui rend ce mode de stockage un peu plus difficile et compatible pour des petits véhicules. Le stockage cryogénique présente également un inconvénient, c'est le réchauffement progressif de l'hydrogène. Donc on a une soupape de vidange qui est nécessaire et donc un risque d'atmosphère explosive. Et si le réservoir est inutilisé pour une longue période, il se vide de lui-même. Donc c'est pas le cas pour les réservoirs de haute pression dont l'étanchéité est, on va dire, plus performante. Disons qu'elle est gérée différemment puisque l'état même de l'hydrogène est différent. Peut-être pour aider un peu à la compréhension, je vous présente aussi la constitution d'un réservoir suivant sa typologie. On parle de type de réservoir, donc vous avez les de type 1 à 5. En termes de fonction, on a un liner qui n'est pas structurel en général, qui a vraiment son rôle d'étanchéité. L'exemple que je vous présente est surtout de type 4. On a un liner donc qui assure l'étanchéité. On a une enveloppe composite qui recouvre la totalité du réservoir et qui assure la tenue mécanique et la plupart des sollicitations. Et puis, on a des embouts qui sont généralement métalliques, qui servent d'interface avec l'ensemble des composants et des pièces externes. Donc, les équipements de type 1 sont les équipements entièrement métalliques. Type 2, on a réalisé un liner métallique qui assure l'étanchéité, mais on a optimiser un peu la performance en frettant un composite au niveau de la partie cylindrique du réservoir seulement, ce qui permet d'améliorer sa performance. Le type 3, on va un petit peu plus loin, on reste sur une barrière étanche métallique. Par contre, le renfort composite, il est enroulé ou fretté sur la totalité de l'équipement, y compris les fonds. Et le réservoir de type 4, au cours duquel on parlera beaucoup au cours de cet exposé, on passe sur un liner qui est considéré non structurel, qui est plastique et qui est renforcé par du composite également sur la totalité du réservoir. On a le réservoir de type 5, qui lui n'a plus de liner en tant que tel. C'est un équipement qui est entièrement composite et là où la fonction étanchéité est plutôt assurée, disons, par une barrière étanche et non pas par une pièce structurelle, entre guillemets. Donc, ces différentes typologies de réservoirs ont permis d'accroître les rendements de stockage. Vous retrouvez sur le graphique un indicateur de performance qui est la pression fois le volume divisé par la masse. Et on voit qu'au fur et à mesure de l'avancée dans les types de réservoirs, ça a permis un rendement de stockage de plus en plus efficace. Cette solution de type 4 est aujourd'hui relativement mature, mais elle reste confrontée à des défis persistants. Je m'explique un petit peu. Majoritairement réalisée par enroulement filamentaire composite, l'optimisation de la structuration de cette enveloppe. Ce que j'appelle la structuration, c'est la manière dont on va déposer, enrouler les fibres autour du réservoir pour répondre à l'ensemble des sollicitations. Donc la structuration et donc l'optimisation de cette enveloppe reste vraiment un défi
puisqu'on peut toujours l'optimiser, pour améliorer et trouver des compromis à travers les différentes exigences. Et le fait d'appliquer cette technologie à de nouveaux marchés va évidemment amener à de nouvelles exigences, et donc l'optimisation de cette enveloppe restera toujours un défi. Cette enveloppe est... Comment expliquer ça? Cette enveloppe, pardon, quand on parle d'optimisation, j'aimerais insister sur le fait que ce n'est pas que lié à la pression d'éclatement. On peut avoir énormément de sollicitations différentes. On parle de tenue en fatigue. C'est également pour ça que les composites sont relativement bien placés et permettent d'accroître les performances de ces réservoirs. Mais je reviendrai un peu plus en détail dans la présentation sur ce procédé un peu particulier. Un des enjeux qui tourne autour de ces réservoirs, c'est également les cadences de production. Et quand on parle des cadences, on parle aussi des coûts et de la réduction des coûts avec l'évolution des matériaux et des procédés. Dans cette transition, hein, l'idée, c'est d'avoir des usages plus durables, et donc les recyclabilités ou même les stratégies de qualification, elles peuvent largement évoluer selon les secteurs ou suivant les nouveaux matériaux ou les nouvelles architectures que l'on va utiliser. Pour aller un peu plus loin sur ce type de réservoir, les composites thermoplastiques sont une voie à explorer pour relever ces défis. Car la transposition d'un réservoir de type 4, thermodurcissable vers thermoplastique, ne remet pas en cause fondamentalement l'intégralité du système. Je souhaite tout de même insister et ajouter sur ce point que la transposition n'est pas non plus directe, puisqu'on a des réflexions plus ou moins profondes à mener, soit pour adapter la conception à ces nouveaux matériaux et procédés, soit pour exploiter de nouvelles opportunités. En fait, la nature même du thermoplastique permet d'aborder plus aisément la voie de la recyclabilité, qui est identifiée comme un verrou des thermodures hein, sur ce type de réservoir. Les cadences de production également offertes par le soudage in situ et l'automatisation de ces nouveaux procédés, qui permet également d'intégrer beaucoup de contrôles en ligne sur ces procédés, et donc laisse présager des opportunités de réduction de coûts sur le cycle complet. On a encore la possibilité de soudage entre le liner et le composite, qui est un paramètre de conception qui peut être très intéressant pour augmenter l'efficacité de stockage. On a également la possibilité, par le soudage en continu, soudage in situ, de réaliser des arrêts de plis au sein même du réservoir. Et donc là, on comprend tout de suite, c'est une opportunité de conception assez intéressante qui permet de réduire à la fois la masse et augmenter les performances. Sur les résines thermoplastiques, on a enfin la ductilité naturellement plus forte des thermoplastiques qui laisse présager d'une meilleure robustesse sur le comportement de ces réservoirs. Je pense notamment à la fissuration en fatigue qui est intéressante. La tolérance au choc aussi, qui peut être une des exigences très importantes en fonction des nouveaux secteurs sur lesquels on va les appliquer, et des durées de vie également, qui peuvent être largement plus longues en fonction des différents secteurs auxquels cette solution technique va s'adresser. Du côté des verrous pour le stockage par liquéfaction, à nouveau, le choix des matériaux et de leur déformation à rupture et de leur perméabilité à ces températures cryogéniques, c'est au cœur du choix de conception. Les fonctions d'étanchéité et de gestion des pertes gazeuses ou du maintien en température résultent directement de ces choix matériaux et de l'intégration des composants. Comme je l'ai dit, les pompes, les tuyauteries qui ne font qu'accroître les difficultés techniques. On a également pour l'isolation l'utilisation de vide entre deux parois sur certaines architectures qui ne fait qu'ajouter encore une contrainte mécanique sur ces systèmes et également d'étanchéité. Donc, il existe des solutions éprouvées hein, sur ce mode de stockage. On pense en premier lieu au domaine spatial où ces solutions
ont été et sont toujours utilisées. Par contre, ces solutions, elles doivent s'adapter aux contraintes des nouvelles mobilités, soit de stockage statique, soit de stockage mobile, avec des contraintes évidemment différentes. Et elles doivent aussi s'adapter, puisque sur le volet économique, il faut que ces solutions s'adaptent avec différentes alternatives évoquées. On retrouve ici dans cette slide quelques illustrations hein, de ce qui est de solutions on va dire ultra techniques pour ce mode de stockage pour le domaine du spatial. Ces solutions ne vont pas pouvoir être reproduites dans tous les secteurs, évidemment. Et il y a beaucoup à faire, hein, c'est un des gros défis pour ce mode de stockage. Néanmoins, on trouve des architectures qui commencent à différer de ce qu'on a déjà vu. On a des réservoirs de stockage cryogénique de plus petites dimensions, déjà, puisque la cryogénie est plutôt adaptée au stockage de gros volumes. Et donc, ces plus petites dimensions en font des réservoirs qui sont donc un peu plus adaptés aux mobilités de grand public. On observe aussi des concepts un peu moins conventionnels par leur forme. Hein. Je cite l'exemple de ce réservoir présenté et communiqué par BMW, dans lequel ce qui est intéressant, c'est à la fois la forme, c'est la manière dont ont été intégrés les composants, mais c'est aussi l'apparition du composite sur des périmètres qui sont vraiment habituellement, ou en tout cas historiquement, dominés par les matériaux métalliques. Donc, vous l'aurez compris, le choix des matériaux et la connaissance de leur comportement est vraiment et la caractérisation avancée de ces matériaux, c'est vraiment un axe important pour lever les différents verrous et défis de ces modes de stockage. La maîtrise des modes de dégradation, c'est une étape indispensable à la conception, mais aussi à la qualification de ces équipements. Et les conceptions multimatériaux sont une bonne réponse à ces défis et continueront de l'être, même avec les nouveaux matériaux ou les nouveaux procédés de fabrication, comme j'ai commencé à en parler. Donc, certains de ces phénomènes ou difficultés de comportement matériaux sont bien connus, mais encore sont connus, mais encore bien complexes à appréhender, suivant toutes les conditions de sollicitation. Je pense à la fragilisation des métaux par l'hydrogène, par exemple, qui résulte de trois grandes familles de facteurs, qui sont eux-mêmes multifactoriels. On a des aspects métallurgiques, hein, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste à titre illustratif. Suivant les familles de matériaux, les caractéristiques mécaniques, la composition chimique ou même les états de surface. On a aussi des conditions en fonction de l'état de l'hydrogène, en pression ou en température, si son état est liquéfié, ou la pureté du gaz. Et puis on a aussi des facteurs d'état de contraintes de matériaux ou de type de sollicitation. Sur les métaux, on observe justement une réduction des caractéristiques mécaniques, ici ductilité et résilience, du simple fait de la présence d'hydrogène, sans parler de la fragilité elle-même induite par les températures cryogéniques pour ces réservoirs en particulier. Donc ces effets qui se répercutent ici en statique sur les courbes de traction et l'illustration de la réduction de la ductilité, elle a un effet direct également sur les vitesses de propagation des fissures en fatigue. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est en plus favorisé par la mise en pression d'hydrogène qui favorise malheureusement ces comportements. C'est une illustration des comportements de métaux. On a également des choses sur les composites, évidemment. Les composites sont connus pour être performants en résistance et en raideur, ce qui en fait très bons candidats hein, justement pour ces applications mobiles où l'allègement est un défi, évidemment. Ils sont également connus pour être plus coûteux à l'échelle du matériau en lui-même, mais j'insiste vraiment sur le bilan économique puisqu'il doit être fait sur le cycle complet du produit et ces matériaux permettent en général
d'intégrer des fonctions. Et donc, quand on fait le bilan global sur l'exploitation, la maintenance ou ce genre de choses, ça permet de rentabiliser leur utilisation. Présente des atouts évidents de performance en fatigue, de corrosion ou de tenue à des agents chimiques. Par contre, ce n'est pas non plus des matériaux magiques. Et donc, ils sont plus sensibles au vieillissement climatique ou à l'évolution des comportements avec la thermique ou même la tenue au feu présent dans plusieurs cahiers des charges. La famille des composites, elle est également constituée de composites à matrice thermoplastique dont la transformation se fait plutôt par fusion et non pas par polymérisation. Ça présente des atouts directement pour les propriétés intrinsèques, physico-chimiques ou la présence de fluides, tolérance aux dommages, comme j'ai déjà évoqué. Mais le changement même de matériaux fait qu'on les transforme avec des nouveaux procédés, ce qui offre des nouvelles possibilités, aussi bien sur les architectures que sur des cadences plus élevées, ou des nouvelles opportunités de soudage, de surmoulage ou de recyclage, voire même de réparation. On voit d'ailleurs l'évolution de la part des composites thermoplastiques qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des années. On a tout de même des comportements qui constituent des verrous et auxquels il faudra s'adapter. Par exemple, dans le cas de la cryogénie, les chargements thermiques entraînent des contraintes au sein des plis par leur anisotropie, comme illustré ici. Et cet état de contrainte, même sur une pièce libre, hein, ces contraintes agissent au sein même des plis et de la matière. Et cet état de contrainte qui s'ajoute à la fragilisation naturelle des matériaux et des interfaces induit un réseau de fissures, comme vous voyez sur les images à droite, qui dépend de la séquence d'empilement. Donc la fonction d'étanchéité, elle est en général difficile à assurer par le composite lui-même. C'est pourquoi les réservoirs de type 5 dont je vous ai parler, ça reste un véritable défi. Je ne vais pas aller plus loin sur les contraintes thermiques, simplement, voilà, ça dépend de l'empilement. Je vais passer cette slide-là pour aborder un peu plus le sujet de l'étanchéité, qui reste un enjeu important du fonctionnement du système vis-à-vis de la gestion des pertes gazeuses et du risque d'explosivité qui va avec. Ces produits d'étanchéité, ils sont basés sur les polymères élastomères, et donc, comme j'ai déjà expliqué avec les composites, ils sont impactés par la présence d'hydrogène avec des pertes de masse, des attaques chimiques, ou même des phénomènes d'absorption qui sont vraiment des points importants, car les gonflements de ces systèmes ne sont pas toujours compatibles avec les gorges qui les accueillent et peuvent engendrer de l'endommagement. Je pense en particulier aux phases de décompression rapide qui vont entraîner de la dégradation et de l'endommagement au sein du matériau. On a également toutes les propriétés mécaniques qui évoluent en fonction de ces conditions climatiques ou de présence de gaz et qu'il faut prendre en compte. Donc la caractérisation, encore une fois, de ces comportements, que ce soit sur le produit lui-même ou le matériau ou même les systèmes, c'est donc une manière de lever plusieurs des verrous autour de ces sujets. On a des moyens d'essai qui nécessitent quelques adaptations, mais les méthodes de mesure de fuite, finalement, sont assez similaires. Pour entrer un peu plus dans le détail de ce cas particulier, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, je suis perdu. Voilà. On va passer, pardon, maintenant au défi de la fabrication, puisqu'on ne peut pas tout traiter non plus dans les défis de la conception. Et cette phase-là, elle est vraiment importante. La maîtrise de la fabrication et du lien produit-process. Chaque procédé est évidemment bien différent. Donc, je prendrai l'exemple de l'enroulement filamentaire dont j'ai déjà parlé et qui est développé au CETIM en version thermoplastique. Je prendrai cet exemple pour faire ressortir des messages qui, évidemment, peuvent être généralisés ou dupliqués. Le premier des messages, c'est la gestion de la mixité des matériaux et des procédés. Vous l'avez vu,
Le réservoir est constitué d'une enveloppe composite, d'un liner et d'une embase, eux-mêmes constitués de matériaux différents et qui peuvent être élaborés par différents procédés de fabrication. Et donc la maîtrise du lien produit-process sur chacun de ces points est extrêmement importante. Pour entrer dans le détail de ce cas particulier, quelques éléments de compréhension pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce procédé. C'est un procédé de fabrication qui est particulièrement bien adapté à la réalisation de réservoirs de stockage. Il s'agit d'un procédé qui est largement automatisé, qui consiste à venir déposer un ruban ou un tape composite avec des fibres de carbone, par exemple, et qui est imprégné d'une matrice thermoplastique. Donc, la tête du robot parcourt les trajectoires définies par le design, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Et le ruban se déroule au fur et à mesure avec une phase de chauffe, ici par laser, qui permet de fondre localement et très rapidement le polymère. Puis le passage du galet permet de souder le ruban à la couche précédente en refroidissant très rapidement sous le galet. Donc le procédé, il est vraiment très intéressant en plus de sa vitesse parce que contrairement à l'enroulement filamentaire classique, on soude directement et on peut arrêter le tape et le reprendre un peu plus loin. Donc, j'en ai déjà parlé, c'est une opportunité intéressante de conception pour optimiser et exploiter ça sur les futures générations de réservoirs. C'est également un point important, puisque je tiens à préciser qu'il ne faut pas forcément se placer qu'à l'échelle du produit fini, mais dans les phases de mise au point ou même en production, on peut arrêter le procédé et le reprendre en fonction des événements que l'on rencontre. Donc ça, c'est quelque chose qui doit amener à des réflexions autour de la gestion des incidents de production ou même la gestion de rebuts en général. Vous l'aurez compris, le soudage de cette interface est un point clé, la qualité du réservoir. Et donc, on a mis au point, et ça fait partie des défis qu'on relève ici au CETI, mais qu'il est important de noter, c'est de toujours imaginer des nouveaux moyens de caractérisation et de qu'ils soient liés pour la conception ou pour la mise au point du procédé. Donc ça, c'est une machine de pelage. Qui est réalisé, en fait, on réalise des anneaux enroulés sur eux-mêmes avec ce procédé. On vient les dérouler mécaniquement grâce à deux bobines et on vient rompre l'interface soudée en enregistrant les paramètres d'effort et d'angle qui permettent d'une part de mesurer directement à côté du moyen de production la qualité de soudage pour la mise au point du procédé de manière efficace, mais qui permet aussi de remonter à des grandeurs matériaux de ténacité en lien avec le design. Ça, je n'irai pas plus loin malheureusement dans cette voie-là, mais je vous invite à lire le papier qui a été écrit sur le sujet, qui est assez intéressant. Ce lien produit-procès, je continue de l'illustrer sur cet exemple encore plus spécifique. Je trouve que ce procédé de fabrication, d'une part, le design, il est fait avec des contraintes d'encombrement de la tête de dépose, de la forme du réservoir qui nécessite des études de trajectoire, aussi une certaine maîtrise de la pose au fur et à mesure des couches. Le procédé d'enroulement filamentaire, il est bien connu hein, par plusieurs industriels sur là-dessus. Et il est connu pour une particularité. C'est que lorsqu'on dépose une couche de composite, vous déposez une certaine quantité de matière sur la partie centrale du réservoir. Et lorsque vous passez sur les dômes, la cinématique même du procédé fait que les différents rubans ils vont venir se superposer sur eux-mêmes et créer une surépaisseur de matière. Dépend de la largeur du tape et de l'angle de dépose. Il y a beaucoup de théories qui s'appliquent à décrire cette structuration en épaisseur et en angle. Et même si dans toutes les conceptions, les hypothèses et approximations sont nécessaires, l'aspect itératif de ce procédé entraîne un cumul d'erreurs. Et c'est un point important, alors pas uniquement pour le design, hein, mais avant tout pour la fabrication, puisque la connaissance de ce que j'appelle la ligne ou la surface de dépose au fur et à mesure qu'on dépose les couches, et donc son anticipation, elle est essentielle à la programmation des trajectoires suivantes, puisque c'est cette connaissance-là qui permet de garantir un soudage qui soit réalisé dans des conditions assurant la qualité nécessaire. Donc les défis autour de cette structuration, elle est en couche et en superposition de couches, elle est bien connue des spécialistes, mais pour moi, ça reste encore un défi de tous les jours, et en particulier sur ce procédé où l'aspect thermoplastique entraîne des particularités supplémentaires. Donc à ce titre,
Et nous, pour maîtriser ce lien indispensable, on a construit un outil interne qui comble certaines limites que nous avions identifiées sur cette maîtrise du procédé. Ceci reste des pistes, hein, qui doivent continuer à être développées et déployées, en lien aussi avec l'outil de production et la stratégie de programmation. C'est vraiment les défis de demain. D'un autre côté, on a pu intégrer des lois améliorées de prédiction des épaisseurs et de chemin de fibre, et que l'on peut exporter ensuite dans un modèle élément fini. Donc on voit bien le lien produit-process qui permet à la fois de répondre à la mise au point et l'amélioration du procédé, mais également à la partie design et donc tout ce qui est phase de justification de la tenue de ces équipements. Évidemment, ces observations et ces améliorations ont été guidées par des observations et mesures expérimentales et non pas que théoriques. Ce lien, il peut être aussi amélioré grâce à des scans intermédiaires qui permettent de repartir sur une base plus saine de dépose pour la programmation des trajectoires, pour vérifier au fur et à mesure de la production la conformité de la fabrication avec la démarche de justification. Donc l'automatisation de toutes ces tâches et de ces mesures, c'est forcément une piste aussi de développement pour avoir une logique de montée en maturité et en cadence. Et donc, je vous ai montré un aperçu du lien produit-process qui mériterait, évidemment, j'aimerais vous en parler bien plus longtemps avec cet exemple qui m'intéresse particulièrement. Voilà, j'espère au moins qu'avec cet exemple, je vous ai montré l'importance du développement, l'importance du lien produit-process dans les futurs développements sur ces applications de réservoir. Je passe enfin à la. Aux défis qui s'accordent à l'évaluation de la conformité. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, les stratégies vont également être amenées à être adaptées en fonction des solutions techniques et de la solution, et des solutions au sens la mixité des matériaux qui vont être employés. On a des stratégies de test à la pression d'épreuve qui sont sans doute à faire évoluer pour la démonstration de la conformité, et de la même manière, des stratégies de justification et de qualification qui vont aussi évoluer, qui vont différer aussi en fonction des applications au sens du secteur. Dans cette évaluation de la conformité, j'aimerais insister sur un point, ce sont les essais de caractérisation sur éprouvette, aussi bien du matériau de base qui sert à la production, qu'une fois transformé et à des échelles intermédiaires, un peu à l'image de la pyramide des essais qu'on peut faire, qui est bien connue dans différents secteurs. Et il y a vraiment beaucoup de défis à relever de ce point de vue-là, car les matériaux composites, si je poursuis sur cet exemple, ils sont construits simultanément à la structure. Il y a donc des méthodes d'essai à développer, et je pourrais vous parler d'essais originaux qui ont été développés pour identifier des comportements sur réservoir. Par exemple, à l'échelle du tape, quand on réalise un essai de traction, voilà, ça permet de mettre au point le procédé, de faire les premières phases de pré-design. On utilise beaucoup cet essai et ces premières mesures sur tape. Néanmoins, ces comportements ne relatent pas complètement des comportements sur réservoir et sur une structure tubulaire enroulée. Et donc, on a exploré des nouveaux moyens d'essai permettant de tester le réservoir, le matériau dans des conditions bien plus proches de celles du réservoir, avec la mise au point en tout cas l'exploration d'un essai sur tube enroulé, donc qui prend en compte vraiment la réalité du matériau transformé, par mise en compression d'un élastomère au sein de ce tube, qui nous permet de tester différentes configurations. L'évaluation de la conformité, elle passe également par la qualification du procédé. Donc là, je vous montre une petite vidéo qui vous permet encore une fois d'illustrer le procédé, son automatisation et la manière dont il peut être instrumenté directement avec la thématique du contrôle en ligne. C'est un des grands avantages de ce procédé et un des défis de demain pour améliorer la conception et tout le développement de ces réservoirs.
par exemple, avec la mesure d'un champ thermique lors de l'opération de dépose, on a été capable de détecter deux types de défauts, l'overlap, c'est-à-dire la superposition locale de deux rubans, ou l'écartement de deux rubans, laissant place à un jeu, un gap, par exemple. Et l'aspect automatique et robotisé de ce procédé nous permet de resituer, comme vous allez le voir juste après, chacun de ces défauts sur la pièce. Vous voyez, les images, ce sont des images de notre plateforme hein, sur lesquelles on a mis en place, mis au point toutes ces méthodes hein, pour illustrer toutes les possibilités de ce procédé et de quelle manière on pouvait utiliser soit le moyen de production en lui-même, soit des capteurs intégrés pour prouver de la conformité de la pièce. Vous voyez ici l'illustration avec tout un travail qui a été fait, que je ne détaillerai pas ici, sur la localisation du défaut au sein de la pièce. Les contrôles non destructifs ils permettent aussi d'assurer un certain nombre de vérifications et de garantir la cohérence de la chaîne complète conception, dimensionnement, fabrication. Donc là, on poursuit finalement le cycle. La pièce est produite et on est en phase d'essai. Ici, on a utilisé une tomographie qui a permis de vérifier encore, d'illustrer la conformité de la pièce et la bonne réalisation de l'empilement et de son enroulement, d'identifier aussi certains défauts qui restent des voies de progrès pour améliorer la conception de ces réservoirs. Et donc, j'ai déjà parlé assez largement, je crois, vu le timing. Finalement, sur ce réservoir, on a pu aller jusqu'à l'éclatement afin d'évaluer les comportements aussi bien dans la zone d'utilisation normale du réservoir que dans des niveaux d'initiation et de propagation de l'endommagement menant à la ruine. C'est autant d'informations qui permettent d'identifier les limites actuelles et les améliorations à apporter, hein, que ce soit sur les modèles de calcul ou tout simplement sur des caractérisations plus ciblées. On a réussi à fabriquer un réservoir sous pression en composite thermoplastique qui atteigne une pression d'éclatement de 1600 bars, ce qui, à notre connaissance, n'a pas encore été publié. Donc, je termine cette présentation des défis par un bref aperçu de ce qui fait en suivi en service avec les suivi en service et les phases de maintenance. Il s'agit d'une phase qui peut s'avérer assez complexe et coûteuse en temps d'immobilisation d'équipement. Donc, les contrôles mis en place dans ces phases sont ici pour vérifier l'évolution des endommagements ou des défauts initiaux issus de la fabrication qui ont été acceptés ou tolérés par des dérogations, ou tout simplement la détection de chocs ou de comportements anormaux qui révèlent probablement une anomalie. Donc, chaque typologie de défaut nécessite un moyen et une méthode à qualifier. Malheureusement, les systèmes de réservoirs de stockage ils sont complexes, multimatériaux, comme je vous ai détaillé, et les contrôles possibles sont parfois difficiles, ne serait-ce que par l'accès. Des pistes de réduction des coûts de maintenance existent, évidemment, et d'amélioration de ce suivi par la voie de la miniaturisation de ces capteurs, qui pourraient être directement introduits dans les structures. Donc, la réflexion... Je fais le lien avec la partie conception. La réflexion autour de l'architecture de ces réservoirs de stockage, elle doit aussi faciliter l'introduction de ces capteurs. Cette complexité fait que les réservoirs d'aujourd'hui sont certifiés pour un certain nombre de cycles et doivent être retirés du service lorsqu'il est atteint, contrairement aux réservoirs métalliques qui peuvent être requalifiés par un essai d'épreuve. Donc, une compréhension approfondie des modes de dégradation de ces réservoirs est nécessaire pour envisager à terme de pouvoir prolonger leur durée de vie. Ces méthodes, j'en ai parlé un tout petit peu avant, d'analyse, enfin, ces contrôles nécessitent une bonne connaissance du matériau. Et donc, la méthode d'analyse de ces signaux, c'est un axe également important, car leur interprétation
en cohérence avec nos connaissances des comportements et des mécanismes de propagation, va permettre d'identifier si l'événement particulier doit déclencher une inspection spécifique supplémentaire. Pour finir sur cette partie de défi autour du suivi en service, hein, qui n'est malheureusement pas exhaustive, on peut parler brièvement d'un certain nombre de procédures qui sont déjà existantes, notamment je pense aux applications GNV qui peuvent servir de base pour une transposition à l'hydrogène. On a une méthode d'inspection détaillée qui permet, avec l'identification des réservoirs, de définir les méthodes d'inspection des différents composants, les méthodes de détection de fuite, d'avoir une gestion centralisée dans une base de données qui permet une traçabilité de suivi et d'alimenter un retour d'expérience, aussi bien pour l'utilisateur que pour la communauté en général qui utilise ces équipements. Donc, on sent bien qu'il y a encore des choses à faire, mais néanmoins, on peut partir d'un existant assez intéressant. Je vais repasser la main, après cette partie un peu plus technique, à Damien Guillon, qui va vous donner quelques éléments contextuels et d'informations du CETIM autour de ces sujets sur le réservoir à l'hydrogène. Merci, Denis. Donc, comme je l'ai indiqué en introduction, le CETIM est en train de structurer son grand projet sur les développements des technologies hydrogène. Donc, cette structuration n'est pas finie. Je ne peux pas communiquer sur son contenu, mais il y aura des choses reliées aux matériaux. Donc voilà, tout ce qu'on a décrit, les risques de fragilisation, le comportement en environnement cryogénique, la perméabilité à l'hydrogène, qui est la molécule, le gaz le plus petit. Donc c'est un premier axe important pour le CETIM, pour l'accompagnement des mécaniciens. Le deuxième axe tournera autour des équipements, c'est-à-dire qu'il y a besoin de pompes, de vannes, de réservoirs, de tuyauterie, de capteurs adaptés. Donc voilà, il y a besoin donc d'équipements qui s'adaptent à l'hydrogène. C'est des choses qui existent déjà, qui vont se développer pour les nouveaux usages de mobilité ou industriels. Et donc le rôle du CETIM est d'accompagner l'industrie dans ces développements. Et donc on y contribuera. Et puis dans ce rôle d'accompagnement, derrière on se pose la question comment aider ces industriels à accéder à ces technologies. Donc, il y a des actions de formation. Il y a aussi une réflexion sur les besoins de laboratoire, puisque les températures extrêmes ou la dangerosité du gaz fait qu'aujourd'hui, il y a des plateformes d'essai, notamment universitaires ou le CEA qui fait référence dans le domaine. Il y a un besoin industriel pour aller vers des coûts plus bas. C'est aussi important pour permettre l'introduction des technologies, la baisse des coûts, aussi bien des composants que finalement de la R&D et donc des essais à faire. Et le CETIM, qui est un centre d'essai de référence, travaille sur ce sujet. Et donc, si vous avez des besoins concrets, n'hésitez pas à nous les envoyer, puisque la réflexion est en cours pour prendre une place qui soit pertinente par rapport à l'écosystème déjà disponible. Donc voilà pour le cadre global de ambitions R&D du CETIM. Il y a une structuration en cours, mais les actions, elles, le sont déjà. Et donc, je vais vous présenter notamment autour du stockage et des réservoirs, qu'est-ce qui se fait déjà. Donc, il se fait des projets européens. Je vais détailler notamment un H de REV dans la slide suivante. Il y a aussi un projet auquel on est rentré récemment sur donc les réservoirs thermoplastiques. Et il y a des travaux sur la cryogénie. Donc là, je vais vous présenter des travaux qu'on a fait avec le CNES, donc dans le domaine du spatial. Mais Airbus a annoncé son intention de stocker l'hydrogène de manière cryogénique dans ses avions. Et donc, il y a aussi, bien sûr, des projets de R&D qui se lancent en partenariat avec Airbus. Et puis, il y a donc ça, c'est les recherches collaboratives auxquelles le CETIM participe. Et puis après, il y a son action, ce qu'on appelle l'action professionnelle. Donc, c'est les actions qui sont menées directement avec des groupes de travail, avec nos cotisants mécaniciens. Et donc, il y a un PSS en langage CETIM qui existe sur le stockage d'énergie, dans lequel on adresse notamment justement la thématique
cryogénique et dans lequel aussi on va en discuter avec nos groupes de travail. Donc si vous êtes cotisant, vous pouvez vous rapprocher du CETIM pour y être intégré si cela vous intéresse, on va dire des spécificités liées aux technologies hydrogène dans le stockage et les tuyauteries de distribution du gaz. Donc voilà pour globalement le programme. Après, pour l'illustrer concrètement, donc voilà, H2REF, c'est un projet européen qui s'est terminé l'an dernier. L'objectif, c'était de développer des modèles de stations-service, hein, puisque l'ordre de grandeur d'investissement, c'est entre 2 et 3 millions d'euros pour installer une station-service hydrogène. Voilà, si on veut permettre une mobilité, il en faut beaucoup, plusieurs centaines à l'échelle du territoire. C'est important d'optimiser les coûts et la fiabilité de ces systèmes, sachant que le défi, ça consiste, puisqu'il faut remplir un réservoir de 700 bars, ben, il faut qu'on soit encore plus haut dans la station-service, au moins un moment, pour permettre le transfert justement de ce gaz de la station-service vers le réservoir, et puis avec tous les dangers liés au réchauffement du gaz lorsqu'on le fait transiter à haute température et vitesse aussi haute aussi que possible pour optimiser les coûts de chargement. Donc voilà, donc il y a eu des travaux sur le, et du coup en plus des cahiers des charges, hein, différents du stockage statique, puisqu'on est sur des accumulateurs, c'est-à-dire des réservoirs qui vont se gonfler et se dégonfler très souvent, contrairement à un stockage de type mobilité où le plein est fait typiquement une fois par jour dans les mobilités intensives. Donc voilà pour H2REF. Et puis voilà donc pour une slide qui nous vient directement du CNES, donc avec qui on a collaboré pour fabriquer ce démonstrateur. Donc dans les illustrations, vous aviez vu un réservoir métallique d'hydrogène en deuxième étage d'Ariane 6, le CNES, et enfin plutôt le Ariane, et notamment en Allemagne en fait, travaille déjà à passer ce réservoir en composite, et donc c'est dans ce cadre-là que le CETIM a travaillé pour démontrer qu'on pouvait aussi intégrer des fonctions. Alors, un des avantages de conception qu'offre le composite comparé au métallique pour in fine aller à la fois vers la réduction du coût et de la masse des composants. Donc voilà pour l'illustration de nos activités qui publiques sur le domaine des réservoirs. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Bien sûr, nous sommes maintenant ouverts pour répondre à vos questions. Et vous pouvez consulter tous les liens que vous voyez apparaître sur votre écran pour en savoir plus sur l'activité du CETIM dans ce domaine. Et vous avez aussi, si vous remontez à la diapositive 5, l'adresse service questions-réponses, donc sqr@cetim.fr, sur lequel vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé par les projets que j'ai évoqués à la fin, ou si vous avez des questions supplémentaires auxquelles nous n'aurions pas le temps de répondre, car vous êtes très nombreux et qu'il ne nous reste qu'une demi-heure. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. On va passer aux questions. Voilà, donc je reprends mes petites notes. Alors, la première question, vous avez présenté deux modes de stockage principaux, sous haute pression ou en stockage cryogénique. Est-ce qu'il y en a une qui se distingue selon vous ? Alors, les deux seront utilisés à l'avenir. Globalement, on peut parler d'une maturité plus grande pour le stockage sous pression, qui s'appuie en plus sur des technologies finalement très développées pour tout le gaz naturel et stocké sous pression. Donc, l'enjeu avec l'hydrogène est d'aller vers des plus hautes pressions. Mais voilà, les spécialistes du domaine savent déjà faire. Et donc, on a ces bonbonnes, mais qui gardent des petites quantités d'énergie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le stockage sous pression, plus on augmente le volume, plus on doit augmenter l'épaisseur des murs pour résister à la pression interne. Et donc, la masse augmente, et bon, les difficultés de fabrication aussi. Quand on dépasse à 700 bars, on est déjà, donc des réservoirs de 60 litres de type automobile, on est déjà sur des épaisseurs de matériaux entre 30 et 40 mm. Ce qui pèse lourd, avec, on va dire, typiquement des efficacités massiques de l'ordre de 5 à 10% maximum pouvant être expéré. Donc voilà, pour 1 kg d'hydrogène, vous en avez 9 de réservoirs. Et donc, plus vous augmentez la taille, enfin la quantité d'hydrogène que vous voulez embarquer,
plus en plus le gain de densité qu'offre le liquide avec une densité de 72 grammes par litre contre 40 à 700 bars est intéressant pour la compacité du système, et plus aussi le poids du réservoir est optimisé, puisque finalement l'isolation thermique, elle ne dépend pas de la quantité, elle dépend de la surface d'échange, mais pas directement de la quantité qu'on met à l'intérieur. Et donc voilà, pour les réservoirs de grande dimension, on a un vrai gain à aller vers de l'hydrogène liquide, qui peut aussi simplifier la partie rechargement, hein, c'est-à-dire le fait de faire le plein en hydrogène liquide peut aller plus vite qu'en hydrogène gazeux. Mais là, par contre, bon, voilà, aujourd'hui, c'est maîtrisé plutôt par des sociétés de haute technologie. Et en plus, on va dire l'équivalent qui est aussi développé pour le GNL, hein, le gaz naturel liquéfié, pour le coup, il se fait à moins 140 degrés. On va dire, voilà, l'industrie connaît bien aussi l'azote liquide à moins 196 degrés. Avec l'hydrogène, il s'agit d'aller à moins 253 degrés. Et là, chaque watt compte pour éviter l'évaporation de l'hydrogène. Et donc, on est sur vraiment un changement technologique, une marche technologique significative comparé à ce qui est répandu dans l'industrie, voilà, ce qui est moins le cas dans le gazeux. Merci. Alors, il y a énormément de questions, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Donc, je rappelle, hein, il y a eu une adresse mail qui a été notée. Si jamais vous avez une question particulière à laquelle on ne répondra pas, vous pouvez envoyer votre question à cette adresse mail-là pour le CETIMAC. Alors, je continue. Vous avez mentionné les matériaux composites thermoplastiques dans votre présentation. En quoi ces matériaux peuvent répondre à une partie des défis du stockage de l'hydrogène en réservoir? Donc les matériaux thermoplastiques sont un pari technologique que le CETIM a effectué il y a maintenant plusieurs années, d'une manière générale, mais sur les réservoirs en particulier. Voilà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est les matériaux thermodurs, typiquement le carbone époxy, qui sont utilisés dans l'industrie pour les réservoirs. Ces matériaux se heurtent à différentes difficultés. Déjà, une question de réduction des coûts de fabrication et la chimie qu'il faut gérer lors d'une cuisson d'un thermodurcissable, elle est pas facile, et donc il y a une limite, on va dire, dans la vitesse d'enroulement. Aujourd'hui, les thermoplastiques n'ont pas encore forcément atteint cette vitesse, mais dans l'absolu, rien n'empêche de réussir ces développements. Donc on aura, voilà, potentiellement un avant tout, ce qui va guider le déploiement de la technologie, ce sera la technologie la moins chère à niveau de performance égal. Donc il y a cet enjeu procédé. Après, voilà, il y a le niveau de performance lui-même, donc ça peut prendre de nombreux axes. Il y a la question de la recyclabilité, qui est meilleure. Des filières existent pour les thermoplastiques qui ne sont pas aussi efficaces pour les thermodurs. Donc il y a un vrai gain là-dessus quand il s'agit de mettre plusieurs dizaines de kilos de matériaux dans toutes les voitures, par exemple, qui sont soumis à une réglementation très 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 exigeante sur le recyclage. Et puis après, il y a la partie d'utilité, robustesse. C'est plus difficile à quantifier. Typiquement, le projet européen Thor s'intéresse à cette partie-là. Mais voilà, globalement, les difficultés qu'il y a avec le vieillissement, la fissuration des thermodurcissables, leur sensibilité à l'impact pourrait être améliorée grâce au thermoplastique. Mais voilà, ça reste à démontrer, mais les matériaux le permettent dans l'absolu. Alors, quelques autres questions sur les réservoirs. Quels sont les matériaux utilisés au niveau des embouts? Alors, c'est très particulier, je ne sais pas si… Alors, classiquement, ça peut être de l'aluminium ou de l'acier. Voilà, l'aluminium permet un meilleur allègement avec un coût supérieur. Après, c'est un vrai savoir-faire, la fabrication du liner et l'interface. La performance, elle dépend beaucoup de la manière dont dont le métal est intégré dans le plastique. Voilà, c'est une des questions du type 5. C'est est-ce qu'on peut aller vers vraiment quelque chose qui soit 100% composite, et qui résoudrait, on va dire, cette difficulté. Mais voilà, aujourd'hui, c'est classiquement acier ou aluminium, suivant le savoir-faire et la performance recherchée du réservoir. Alors, une autre question, quel type de nuance métallique pour les liners?
Là-dessus, on n'est pas spécialiste. Vous êtes en contact avec le département composite. Donc, posez votre question à SQR, à CTeam, et les collègues des matériaux métalliques sauront, je pense, vous répondre. Bien, alors vous parlez de problèmes d'étanchéité en ce qui concerne les réservoirs de type 5. Auriez-vous une valeur de comparaison afin de comparer leur étanchéité aux réservoirs de type 4? Alors, de la même manière, il y a un département spécialité en étanchéité qui connaît les valeurs. En fait, à l'état initial, l'étanchéité est comparable. On est capable de fabriquer un réservoir composite étanche à l'état initial. La difficulté, c'est que le composite a tendance à se fissurer sous les pressions de service, on va dire, c'est de manière normale en fatigue et qui n'est pas forcément grave d'un point de vue structurel, mais qui par contre, en étanchéité, là, on passe à un facteur 1000, quoi. C'est entre un matériau non fissuré et à partir du moment où, on va dire, il y a un chemin de fuite à travers un réseau de fissuration à travers le matériau, on est sur un facteur 1000. Donc voilà, on perd vraiment l'étanchéité. On serait sur un réservoir qui se vide de lui-même, ce qui n'est pas le cas avec des matériaux métalliques ou polymères en bon état, où là, les taux de fuite sont extrêmement faibles. On parle de 10-8, 10-10, je ne sais plus, unité, enfin, voilà, de très faible unité de fuite, voilà, de litres par minute, ou je ne sais plus exactement l'unité. Pour toutes les personnes qui avaient des questions, on vous invite à l'envoyer donc à l'adresse mail du CETIM. Je vous la redonne, sqr@cetim.fr. Question réponse quoi? Elles seront redistribuées, enfin redispatchées vers les personnes qui pourront y répondre, qui seront plus pertinentes pour y répondre. Et le replay donc sera disponible sur la chaîne YouTube de Technique de l'ingénieur très bientôt, dans les prochains jours. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Si vous pouvez prendre 5 minutes pour y répondre. Merci Chercher un beaucoup. câble, Et etc. au revoir à tous. À très bientôt.